en direct bonjour à tous et à toutes c'est un plaisir de vous retrouver pour cette superbe conférence consacrée chers amis alors là on va vous parler tiens si on partait en Asie je vous propose de vous emmener chers amis 15 heures de vol 15 heures de vol pour partir en Asie on va se poser effectivement où est ce que vous voulez vous poser tiens si on se posait au cambodge au cambodge et on va y découvrir un voyage chers amis entre le Cambodge, entre le Vietnam, à votre avis, qu'est-ce qui coule le long de ces deux pays Je vous laisse répondre sur le chat. Allez, non, je vais vous poser une question un peu plus difficile, forcément. On va partir sur un voyage spécial 40 ans, donc accrochez-vous. On va partir, bien sûr, sur le Mekong. Et donc, en parlant du Mekong, je veux une question à vous poser, c'est combien de pays traversent justement le Mekong Je vous laisse répondre sur le chat, on se retrouve juste après la vidéo. Alors d'après vous combien hein Martine Hébert, je pense qu'elle va pouvoir nous répondre. Chers amis, nous sommes donc sur le Mekong, un fleuve en Asie du Sud-Est. C'est le dixième fleuve du monde. Avec une longueur, chers amis, écoutez bien, 4350 km. Il fait vivre 5, 70 millions d'habitants, effectivement, et grâce notamment à l'irrigation, vous allez comprendre juste après pourquoi. Et donc, combien de pays traversent le Mekong, chers amis C'est exactement 6. La Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Et le Vietnam. Nous nous allons nous intéresser plus particulièrement à la dernière partie qui va parler donc du Vietnam et du Cambodge. On va vous faire découvrir une croisière hors norme sur un bateau hors norme que vous allez découvrir dans quelques instants, un petit bateau à taille humaine, 5 ancres, écoutez bien, 62 passagers, des cabines de 18 mètres carrés, pour découvrir quoi Les villes comme Siem Reap, Ho Chi Minh Phnom Pen, vous avez tous déjà entendu parler de ces noms-là, mais vous ne les avez pas encore découverts, je suppose. Également, on va vous parler de culture, on va vous parler forcément d'UNESCO, on va vous parler forcément du Temple d'Encore, chers amis, du Temple d'Encore qui est l'un des plus grands temples du monde. Dans ce Temple d'Encore, saviez-vous qu'il y a un, même un marathon qui est organisé Eric, justement, est un futur marathonien, vous allez le voir dans quelques instants, et donc, effectivement, il court beaucoup. Alors on va lui demander effectivement est-ce qu'il a couru le long du temple d'Encor ou pas. Avec Eric qui va nous faire découvrir dans quelques instants cette destination hors norme, on va y découvrir également des civilisations locales. C'est là être la rencontre, la rencontre, chers amis, très important de rencontrer les gens localement. Je vous l'ai dit, on est sur un petit bateau à taille humaine sur un bateau hors norme, donc voilà de quoi se faire plaisir. Alors, très important, juste avant de découvrir Eric, notre conférencier, je me présente, je suis Lucas, j'ai la chance de co-diriger cette belle entreprise familiale. Et ce que je vous demande, chers amis, c'est surtout de chatter, de chatter comme ici je l'indique, chatter au maximum, poser les questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Posez les questions, vous avez un petit chat juste en dessous l'écran. Posez vos rires. Notre conférencier, notre célèbre conférencier que vous avez connu déjà sur l'Afrique australe, que vous avez déjà connu sur le Douro. Et là, effectivement, il va nous présenter en avant-première le Mékong. Mékong. bateau pour les membres rive gauche, 62 passagers, 5 ancres, de quoi se faire plaisir. C'est parti, Eric, c'est à toi! Eh bien, bonjour à tous, merci Lucas, merci euh, pour cette belle introduction. Euh, pour répondre à ta question, oui, clairement, j'ai couru euh, au niveau des temples d'Ankor, euh, ce qui est assez exceptionnel et magnifique, puisque on est sur, euh, et je vais en parler, sur quelque chose d'exceptionnel. Euh, cette croisière qu'on vous propose de vous emmener sur le fil du Mekong, euh, entre le Cambodge et le Vietnam, est une croisière unique et elle vous permet euh, surtout… Je dirais de voir, euh, de voir des choses qu'on voit voir par le fleuve, qu'on ne pourra jamais voir par la terre. Et ça, c'est euh, cet avantage d'aller sur cette destination. La destination, l'Asie, redémarre. Euh, et je serais tenté de dire que cette destination, il faut la faire maintenant. Il faut la faire maintenant. Il faut la faire pour l'anniversaire de Voyage Rive-Gauche. Euh, pour une raison très simple euh, c'est. Euh, la population asiatique est à nouveau autorisée à voyager et euh, je, on pense que sur 2024 et 2025, euh, on va atteindre des, des, des sommets de, 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 de visites. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, sur le site des temples d'Angkor, il y avait des prévisions pour 2021, 2022, je ne vais pas refaire l'histoire, à 22-23 millions de visiteurs. Pour information, en 2019, on était à 14, entre 14 et 15 millions. 2022, ils ont fait 7 millions. Et cette année, sur 23, on, prévi... on prévoit à peu près entre 12 et 13 millions, c'est-à-dire qu'une montée en charge progressive du nombre de visiteurs, mais 12, 13 millions, vous voyez, on est encore loin de 2019. Et donc, ce qui permet d'avoir des visites qui sont étalées dans le temps et que ça soit assez, assez remarquable. On peut peut-être changer. Alors, effectivement, je vais, vous allez le voir, je vais. Parce qu'on a un petit souci technique, on doit vous l'avouer, on est obligé d'employer de, ce petit mot change ou passe à chaque fois. Ce n'est pas très agréable et je m'en excuse auprès de vous, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, je le rappelle, on a des programmes qui sont très complets, et on va passer directement sur la slide suivante, très vite, voilà, avec un circuit croisière de 13 jours 10 nuits qui vous est proposé avec la découverte des, des, des grandes villes, comme le disait Lucas, Siamrep, donc Ho Chi Minh. On découvrira les temples d'encore, bien entendu, des villages et possibilités d'extension de 4 à 7 jours. Alors ensuite, on peut passer, nous allons commencer par le vol. Alors le vol, très simple, hein, puisque on travaille avec des compagnies aériennes comme Singapore Airlines, comme La Thai, qui vont vous emmener très vite, hein, très très vite. Alors c'est 11 heures de vol. Euh, avec un changement soit à Bangkok, soit à Singapour, qui vous permettra ensuite de relier soit à la ville de Reap, donc au Cambodge, soit à la ville de Ho Chi Minh au Vietnam, en fonction du sens, puisque nous avons un sens de croisière. Donc nous allons passer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons euh, deux types de bateaux. Alors je découvre un peu en même temps que vous, et je m'en excuse, cette, cette présentation, parce que normalement, nous avons les bateaux qui vous sont présentés en même temps, mais là, ce n'est pas grave. Les bateaux, il faut savoir que quand vous êtes à siam Reap, vous êtes à l'hôtel. Pourquoi Parce qu'on arrête la navigation euh, au niveau du lac Sap. Donc là, vous l'avez compris, on commence dans le sens siam Reap au Sheming, cette présentation, euh, et avec le bateau euh, que vous avez deux types de bateaux qui sont proposés, soit un bateau 5 ancres soit un bateau 4 ancre, Et donc, vous avez... Nous avons un petit cessu technique, on revient vers vous très vite. Bon, ben excusez-nous, on est reparti, c'est euh, les miracles de la technologie. Euh, c'est pour vous montrer qu'on est en direct, donc euh, à chaque fois, euh, voilà, à chaque fois, on fait un petit coup pour montrer qu'on est en direct. Encore une fois, euh, désolé, j'appelle le technicien, tout le monde est encore là, hein, tout le monde est encore connecté, euh, cher technicien. Magnifique. Euh, donc, on continue avec cet hôtel magnifique. Euh, effectivement, je fais le lien, donc, euh, qui est certainement un des plus beaux hôtels d'Asie, euh, qui va vous permettre effectivement euh, de passer un moment très agréable avec, euh, au milieu d'un jardin très luxuriant. Euh, et nous avons également un hôtel 4 euh, étoiles, mais un 4 étoiles en Asie vaut un 5 français, comme vous pouvez le constater, des chambres très spacieuses. Et c'est toujours agréable d'avoir une très jolie piscine quand on vient ou avant d'aller au temple d'Ancor pour se rafraîchir un peu. Il faut savoir que ces deux hôtels qui ont été sélectionnés euh, sont euh, très proches du centre-ville de Siem Reap. Et ça, c'est très agréable. Et ce que je vous conseille, c'est effectivement d'aller faire un tour au marché de nuit. Euh, parce que c'est euh, un endroit très sympathique. Et franchement, vous pouvez y aller en toute sécurité. Vous allez boire un verre le soir sur ce marché de nuit. Vous passerez un, un, un excellent moment. Alors, on va commencer. On va commencer notre première journée avec... Euh, avec les temples d'Angkor, avec cette visite, et on ira visiter le temple de Bengmaela, qui se trouve à 60 km du site. On a choisi volontairement de, de vous faire découvrir en dehors des, 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 des chemins traditionnels un temple, et vous le verrez, vous serez pratiquement tout seul. Il y aura très très peu de touristes, euh, parce qu'il faut savoir que l'Empire Khmer euh, a rayonné absolument partout, hein, on est entre le 9e et le 11e siècle, euh, et donc des temples, il y en a beaucoup. Et effectivement, on a choisi de vous emmener découvrir le temple de, de Bangmaela. On peut passer. Euh, où on, voilà, donc, qui est resté vraiment très… Euh, C'est un petit temple, hein, attention, mais qui est absolument sensationnel. Il n'y il a pas de village autour. Euh, et a priori, il aurait servi de modèle pour la construction euh, euh, d'encore Wat. Ensuite, nous allons, euh, on peut passer, découvrir effectivement, euh, on retourne sur Siem Reap et là, on va découvrir vraiment le temple d'Angkor et on vous emmènera découvrir Taprom. Alors, Taprom, c'est quoi On va se prendre un petit peu pour Indiana Jones. C'est ce temple absolument sensationnel euh, qui est resté euh, d'une manière intégrale dans la jungle. Ils ont simplement enlevé un petit peu tout ce qui, euh, tout ce que, tout ce qui empêchait euh, de marcher. Et ce temple est au milieu de la jungle, clairement. Euh, on a vraiment l'impression d'être un aventurier euh, quand on découvre Taprom. On peut passer la slide suivante. Et là, on va découvrir effectivement la slide suivante. Euh, C'est une des entrées, puisque la ville, euh, ville d'Ankor Wat, c'était plus de, de, de 100 000 Khmer. Hein. C'était une ville euh, très importante euh, au moment de l'Empire Khmer. Euh, donc avec des douves hein, tout autour, vous aviez des douves qui étaient protégées, et là vous voyez une des portes d'entrée euh, des temples d'Ancor. Donc c'est très sympa. Alors, bien sûr, on ira voir Encore Tom, Encore Tom avec ses visages aux mille facettes. Hein. Là, on est encore une fois sur la porte d'entrée et on va arriver effectivement à Encore Tom. Euh, on passe, s'il vous plaît, merci. Et on arrive effectivement à ce temple. Où on peut monter pour voir ces visages de plus près. Vous voyez, on domine la jungle. Alors, je vous rassure, c'est assez facile. Ils ont fait des, des, des accès assez, assez remarquables. Et ensuite, on vous emmènera à découvrir. On peut continuer. Voilà, vous voyez un petit peu les. les, les... On pourra se promener dans l'enceinte du Palais Royal. Il y a plusieurs temples. Hein. En plus, c'est une balade très agréable parce que tout autour, alors, ils ont éradiqué les commerces. Et par contre, vous avez quelques éléphants qui, qui se baladent. Vous avez beaucoup de moines bouddhistes. Vous pourrez découvrir des, euh, les traditionnels moines bouddhistes qui sauront euh, peut-être vous, vous initier, je veux dire, à cette culture, euh, notamment en faisant un vœu et, et, et en, vous, en vous tressant autour du poignet un bracelet orange ou jaune. C'est assez sympathique. On vous emmènera découvrir la terrasse des éléphants, remarquable. Terrasse des éléphants et des, des rois lépreux. Donc, là, on va passer un, un, un très joli moment. Voilà, non, non, c'est très, très bien. C'était très bien. Le timing était très bon. Euh, voilà cette, cette fameuse terrasse qui est protégée depuis parce qu'ils ont pris des mesures pour effectivement protéger euh, toutes, toutes, toutes ces, toutes ces, tous ces monuments. Et c'était important vu le nombre de touristes. Ils ont mis des plexis devant ils ont rationalisé les visites. C'est assez bien fait. Bien entendu, comme le vous disait Lucas. On ira découvrir les, les, les traditionnels fabricants d'encore, alors où sont fabriqués des visites, du savon, des ateliers de soie. Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller découvrir les artisans du, du... On vous emmènera découvrir, et, et si vous avez des choses à acheter, euh, achetez, aux, achetez aux, aux artisans du Mekong. Pourquoi Parce que c'est ce une, une association... Qui s'est occupé des orphelins du Mékong. Les orphelins du Mékong sont des, des, des enfants euh, euh, qui ont perdu leurs parents euh, durant le, la tragédie, hein, la tragédie avec les Khmer Rouge, où tout un peuple a été exterminé. Et ils s'en sont occupés. Alors, déjà, vous ferez une bonne action. Et puis, en plus de cette bonne action que vous ferez, euh, on sera, euh, vous aurez de la qualité. C'est-à-dire que c'est mieux d'acheter là que d'acheter au marché de nuit. Alors, vous paierez un peu plus cher, mais au moins, vous aurez une qualité. Le cirque. Alors le cirque, effectivement, le cirque, on peut se dire, mais moi je vais au Mékong, je vais pas, euh, je vais au Vietnam et au Cambodge, je ne vais pas pouvoir un spectacle de cirque. Eh bien, c'est la même chose. C'est assez remarquable puisque c'est toujours les orphelins à l'origine, hein, je dis à l'origine, qui ont monté euh, les, les associations qui ont monter un spectacle de cirque pour les orphelins du Mékong. Euh, et c'est un spectacle qui raconte l'histoire, l'histoire du, du, du Cambodge. Ce cirque phare. Et ils sont tellement doués. Ils sont tellement doués qu'il y en a certains en fin d'année qui vont systématiquement, euh, systématiquement au Cirque du Soleil. Il y en a deux ou trois qui partent au Cirque du Soleil parce qu'ils sont vraiment très très bons. Bien sûr, le soir, on ira vous emmener, comme je vous l'ai dit, découvrir le marché de nuit, mais vous pouvez le faire aussi par vous-même. C'est très facile, très accessible. Le clou du spectacle, incontestablement, euh, c'est les temples d'Ankor Wat. Euh, voilà la fameuse photo hein, où tout le monde se prend soit en selfie, soit cette photo, tout simplement, où vous avez le reflet euh, des temples d'encore euh, dans la mare. C'est un monument euh, qu'on ne s'y trompe pas, hein, qui est exceptionnel. On est sur du très très haut niveau. On est sur le niveau des pyramides d'Égypte avec le plateau de Gizeh. On est sur Chichen Itza, pour ceux qui connaissent, au Mexique. On est clairement en termes d'architecture, d'archéologie, euh, sur euh, les, les, les merveilles, les plus belles merveilles du monde. Il hein. ne faut pas s'y tromper. Euh, ce site est remarquable et on peut monter sur cette pyramide hein, que vous voyez, qui va dominer absolument tout, hein, puisque vous êtes assez haut. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut se dire qu'entre le 9e et 11e siècle, il maîtrisait déjà les astres puisque tout est construit à partir des points cardinaux, tout est construit à partir des jours de l'année. Euh, donc c'est vraiment assez sensationnel que de découvrir ces temples d'encore. Et vous voyez, il y a les moines bouddhistes, hein, les moines bouddhistes qui se promènent, ce qui fait des très jolies photos aussi, j'y reviendrai dessus. Voilà un petit peu pour Encore Boîte, donc un très beau moment. Donc nous passons, vous l'avez compris, deux journées complètes sur Reap. Et après, il est temps d'aller rejoindre le lac Tonle de l'Essap. Petit transfert de 60 km et ensuite on va voir les bateaux. Alors on a deux bateaux, je crois que les deux sont présentés. On va passer la slide suivante. On a le RV2 qui est un bateau 5 ancres, remarquable, très moderne, euh, 62 passagers uniquement. Hein, C'est dans l'air du temps, des cabines de 18 mètres carrés, toutes, je précise, toutes avec des balcons, une piscine. On peut peut-être passer la slide suivante. Une grande terrasse, une salle de restaurant où, où vraiment c'est de la gastronomie. Vous voyez la piscine, très sympa. Le lit, le lit qui est tourné, euh, le lit qui est tourné vers l'extérieur, et ça le matin quand vous vous réveillez, c'est assez extraordinaire effectivement d'ouvrir ces rideaux et de découvrir le spectacle qui s'offre à vous. Ensuite, nous allons aller sur le 2. Alors, le RV Indochine 1, un peu plus petit, 48 passagers. Euh, 24 cabines, 16 mètres carrés, donc vous voyez c'est à peu près pareil. Moi j'ai une faiblesse pour ce bateau, pourquoi euh, On peut passer sur la slide, pourquoi Parce qu'il est authentique, très authentique et il va très bien dans cette histoire de l'Indochine, je trouve. Euh, il a été entièrement rénové, hein. euh, donc c'est soit celui-là que vous aurez sur le, si vous choisissez le 4 ans qui est un peu moins cher, soit le 5 qui est, qui est top, et je, avec Rive Gauche on a sélectionné le 5, euh, mais si vous préférez le 4-angle sur une autre date, je pense qu'on peut le trouver. Alors ensuite, nous avons effectivement le Land Dieppe qui est absolument le même. Donc, euh, euh, c'est le sister chip hein, du, 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 du RV1. Euh, vous le voyez tout en bois. Euh, c'est assez agréable. Donc, de très, très beaux bateaux. Alors, celui, les deux hein, que je vous ai donnés n'ont pas de piscine. Vous l'avez vu, ils n'ont pas de balcon à l'extérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais très charmant, je trouve. Et on mange très, très bien. On va commencer notre navigation sur le lac Thon de Et là, le, ton, le lac Thon de l'Essap, c'est exceptionnel. Donc, petit transfert, on monte sur le bateau. Et quand on est sur le lac de de sapes va s'offrir à nous un spectacle unique, hein, puisqu'on euh, peut aller voir ces villages de pêcheurs uniquement euh, par, euh, par bateau, bien sûr. Euh, et c'est un spectacle qu'on ne pourra jamais voir en, en voie terrestre. Donc, on va avoir des scènes de vie. Et surtout, on va être amarré une nuit à l'ancre, euh, en plein milieu du lac de de sapes et là, clairement, on est seul au monde. On est seul au monde et je peux vous garantir qu'on va voir la nuit étoilée comme vous la voyez. Il faut qu'on soit à 3000 ou 4000 mètres d'altitude pour voir la même. Le lac Ton de l'Essap est un endroit unique, hein. vraiment très sauvage. On commence nos visites avec Kompong Chang. On ira découvrir les visites de fabriques de poterie aussi. Euh, vous voyez ces fameuses maisons sur pilotis, là, vous en avez partout quand il y a les crues, effectivement, bah, on a les, les, les maisons sur pilotis. Continuez notre navigation voilà, vers Campang Trala. donc On navigue beaucoup, donc on peut profiter euh, effectivement pour admirer le paysage parce que finalement, on a une vraie sérénité quand on est sur ces bateaux euh, qui se dégagent, puisqu'on a le silence absolu. Et puis, euh, bah voilà, on se met tout simplement sur le Transat et on observe et on regarde. Ensuite, nous irons faire un petit tour. Quand on est à Campantrac, on vous emmènera visiter une, une, une pagode. Alors, très sincèrement, ce n'est pas la plus intéressante pagode qu'on ait eu l'occasion de voir. Euh, mais en revanche, pourquoi on vous emmène voir cette pagode bah, Tout simplement pour faire un petit tour de charabou. Charabeu, qui est un moyen de déplacement local. On peut passer voilà, à cette slide. Euh, on est, euh, on arrive on, à Campang Tralac et on fait ce, cette petite balade. Et ensuite, on arrive sur Cochène, euh, où on va aller découvrir une école on va aller découvrir euh, des enfants, des enfants qui sont très joyeux, alors qu'ils vont venir avec leur babiole en argent, leur babiole en cuivre. Ça ne va pas vous coûter très cher. Ils ont toujours le sourire, ces gosses. Euh, Achetez-leur une ou deux, deux choses. Et franchement, vous verrez, ils seront, ils seront ravis euh, de, de, vous les, de vous les vendre, bien sûr, mais toujours avec un grand sourire. Navigation, continue vers Phnom Là, vous voyez le bateau 5 ancre, donc, avec ses, ses très belles baies vitrées. Et quand vous êtes effectivement. Pen, moi j'ai une faiblesse pour cette ville, elle est remarquable cette ville. Euh, on est non seulement dépaysé, vous ferez une promenade en tuk-tuk bien entendu. On peut passer à la slide suivante. Vous aurez vous aurez des danses traditionnelles euh, à Psara à bord, donc ça c'est sympa. Et puis surtout euh, l'avantage de l'avantage de d'être à Phnom Penh c'est que c'est une petite ville bon, qui grandit, bien sûr, c'est la capitale, mais qui ressemble étrangement un petit peu à, à une petite atmosphère de Bangkok, notamment le Palais Royal. Euh, vous allez découvrir le Palais Royal, qui est un petit Palais Royal de Bangkok, euh, plutôt, euh, plutôt très sympa. Et on découvrira effectivement tôt le matin, parce qu'il peut faire chaud, et on ira se promener pour découvrir euh, euh, ensemble ce Palais Royal. On peut passer. Euh, voilà, euh, quelques photos très bien entretenues, très jolies. Euh, on continue les photos. Voilà, là, l'intérieur, euh, l'extérieur, la pagode d'argent, bien entendu, on vous emmènera. Et en plus, vous aurez l'occasion de faire de très jolies photos, puisque à l'extérieur, vous avez de ce palais, vous avez des moines bouddhistes, puisque vous avez des écoles de moines bouddhistes, et ça, ça fait aussi de, de très, très jolies photos. Le musée, le musée national pour les amateurs de, 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 de bouddhisme. Vous avez certainement les plus beaux bouddhas une des collections d'Asie, du, du sud-est, des plus belles collections d'Asie du sud-est dans ce musée. Euh, musée très agréable, qui est très aéré d'ailleurs, euh, couvert, mais avec une grande cour intérieure euh, qui nous permet d'aller de, 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 découvrir cette collection. On vous laisse libre hein, pour découvrir cette collection. On peut passer la slide effectivement. On va voir. Euh, ça, vous voyez, c'est une cour intérieure et le musée euh, est, 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 sous les, euh, est sous les toits que vous voyez au loin. C'est vraiment un, un joli moment aussi qu'on passe sur, sur le musée. En plus, il est bien situé. Vous pouvez aller vous balader. Alors, bien sûr, on s'est posé la question si on devait euh, aller là. Ben oui, on doit y aller. C'est un devoir de mémoire, je serais tenté de dire. Euh, génocide redoutable, hein, le génocide de, des Khmer Rouges. Euh, on va vous emmener dans cette école euh, qui était un ancien collège euh, qui s'est transformé en prison. Euh, je dois avouer que c'est un moment assez tragique, hein, est, assez... on est remué quand on rentre dans, 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 dans ce collège parce que finalement des salles de classe qui sont transformées en salles de prison, en salles de torture, euh, avec beaucoup de photos de personnes disparues, de personnes torturées, il y a les règles khmer à l'intérieur. Euh, il y a encore trois ans, il y avait un, un monsieur qui était survivant de cet holocauste qui témoignait. Et je dois avouer que c'était euh, assez redoutable. Alors, c'est un moment difficile, mais c'est un moment à faire. Temps libre au marché local, on vous emmènera. Moi, je vous conseille vraiment d'aller vous balader dans Phnom Penh, y compris le soir. On est à quai, euh, pas très loin du, du, du centre-ville de Phnom Penh. Euh, franchement, allez vous balader, c'est très sympa, vous risquez rien. Allez au marché local, allez au grand marché. Euh, vous découvrirez plein, plein de choses, notamment le marché aux fleurs, très sympa. Euh, vous découvrirez euh, comment, on mange les, comment ils mangent les insectes et comment ils les cuisinent. Donc, franchement, la ville de Phnom Penh est une très, très jolie ville. On quitte le, le Cambodge pour se rendre au Vietnam. Et là, quand on se rend au Vietnam, effectivement, euh, bah, c'est toute une autre atmosphère, puisqu'on passe une petite frontière matérialisée par une cabane hein, ça se fait très vite. Mais le fleuve change totalement d'aspect, puisque les Vietnamiens travaillent énormément avec le, fieu, le fleuve. Et là, vous avez des bateaux dans tous les sens. Tout d'un coup, vous étiez au calme au Cambodge et vous, vous retrouvez des bateaux dans tous les sens. On vous emmènera à découvrir ces, ces, ces piscicultures, énormément de piscicultures hein, au Vietnam. On vous fera goûter le fameux Pangna qu'on a essayé de nous vendre pendant des années en Europe. Ça n'a jamais pris. Moi, je peux vous garantir que quand on voit comment il les élève, vous n'avez plus du tout envie d'en manger de ce poisson. Mais c'est intéressant parce que ça a fait la fortune des Vietnamiens. Ensuite, nous irons à Chao Doc euh, visiter euh, la pagode. Ensuite, nous continuons et là, on rentre dans, dans, dans cette pagode qui est un haut lieu, si vous voulez, qui est un haut lieu du, 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 comment dire, euh, du pèlerinage, du pèlerinage bouddhiste. Euh, et ça, c'est quand, quand même quelque chose de découvrir, c'est vraiment un, un, lieu de, un lieu sacré hein, pour, pour les Vietnamiens. On continue notre petite balade, Sadec Ah, Sadec, Sadec. Sadec, bien sûr, tout le monde attend ça, là, découvrir, découvrir euh, la demeure de l'amant de, de, de Marguerite Duras, euh, du, du livre de Marguerite Duras. C'est un joli moment, on va visiter cette maison, euh, on va aller la, la, la découvrir, on va passer une petite demi-heure donc on peut passer la slide de suivante voilà donc vous êtes dans la maison mais en réalité SADEC c'est pas seulement ça SADEC c'est surtout moi je trouve alors bien sûr cette maison mais en même temps c'est son marché, euh, un marché haut en couleur, haut en senteur euh, même chose, hein, vous ne serez pas à l'embarcadère là on vous débarque, on vient vous chercher en petite barque et vous irez découvrir ce alors bien sûr les Arroyos, les Vergers mais on vous emmènera découvrir ce marché et, et ce marché euh, sur, euh, sur SADEC est, est vraiment formidable et est très très riche visite d'une briqueterie d'une fabrique artisanale de riz soufflé avec les vietnamiens ce qui est extraordinaire c'est qu'ils se servent absolument de tout absolument de tout et puis on arrivera tout doucement hein, euh, malgré tout on ira euh, découvrir effectivement on peut passer on ira découvrir la ville de Mito avec son bouddha blanc géant Mito qui est, euh, qui est dans le delta on est dans le delta du Mekong et vous verrez, progressivement, le Mekong s'élargit. Et là, à Mito, on rentre effectivement dans le delta pour à nouveau aller se, se balader et voir des artisans, voir euh, ce centre, une nouvelle ferme d'apiculture. On ira se promener dans la jungle un petit peu. Et puis surtout, surtout on va rentrer dans le, le canal de Chao Gao, qu'on est le seul à vous proposer. Ce canal de Chao Gao, il a été creusé pour vous emmener effectivement découvrir Chi Et surtout, Gao, c'est extraordinaire. Pourquoi Parce qu'on peut passer effectivement. Euh, nous avons une palmeraie, une palmeraie qui est extraordinaire. Pour les amateurs de photos, c'est génial. Euh, c'est très vert. Et puis, vous les voyez, ces petits bateaux avec les yeux, ou ces gros bateaux, c'est des énormes péniches même. Alors c'est un problème écologique, hein, de toute façon ça on peut en parler, c'est très à la mode de parler de ça en ce moment, mais j'en parle parce que c'est une vraie vérité. Ils viennent prendre le sable dans l'elta du Mékong, euh, ils prennent le sable pour construire les gratte-ciels de la ville d'Ho Chi ex Saigon, et c'est un flot incessant de bateaux. Et vous le voyez, vous basculez sur Ho Chi dans une ville asiatique. Alors vous passez d'un calme absolu. Euh, si on repense à notre itinéraire et si on repense à la balade qu'on a faite notamment sur le lac de l'Esap, euh, vous avez un calme absolu à un bruit absolu. Mais, il y a un mais, bien sûr, c'est assez extraordinaire de voir une, une, une ville de l'Asie du Sud-Est. C'est tentaculaire, ça grouille, c'est illuminé. Si vous connaissez Bangkok, et eh bien, euh, on peut comparer, c'est vraiment un petit Bangkok parce que vous voyez des gratte-ciel, vous n'en avez pas encore 50 000. Mais c'est assez fabuleux de se promener dans cette ville euh, qui grouille de monde. Hein. C euh, c pour nous, Européens, c'est assez hallucinant. Et malgré tout, au milieu de ça, bah, vous avez encore la cathédrale. Vous avez encore euh, la cathédrale de Notre-Dame de Saillon qui a le mérite de se visiter. On ira vous faire découvrir également la poste. La poste, je le rappelle, qui a, qui a été construite par Eiffel. Il était partout, ce monsieur. Il était partout. Bien sûr, euh, la mairie, l'hôtel de ville, très très beau. Hein, vous voyez, on est dans le style colonial, et c'est vrai qu'au Vietnam et au Cambodge, on reste très marqué par ces épisodes euh, aussi coloniaux. Visite du Musée national d'histoire, alors celui-là, oui, euh, les guerres, hein, les guerres, et justement les guerres vont nous emmener euh, dans, les fameux, euh, dans les fameux dans les, dans les, dans les fameux... Euh, Souterrains, hein, les, les, les souterrains qui servaient au Viet Cong, hein, euh, les couchis, les fameux tunnels euh, qui permettaient au Viet Cong euh, d'échapper aux armées américaines, aux armées françaises aussi. Donc, creuser, c'est très impressionnant. Hein. Alors, pendant un moment donné, il y avait un tourisme de mémoire il y avait beaucoup d'Américains qui revenaient euh, qui revenaient sur cet endroit c'est passé maintenant depuis. Euh, voilà, ça fait, partie, ça fait partie des visites. Euh, on va vous emmener découvrir ces, ces, ces tunnels. Et puis, on conclura notre, notre visite par le, le fameux marché de, de Cholon, euh, qui est le, un des plus grands marchés asiatiques. On peut passer la slide, oui, pour découvrir ce marché. Euh, alors, même chose, hein, vous aurez beaucoup d'odeurs, beaucoup de saveurs aussi sur ce marché, mais aussi beaucoup de faux. Donc, mon conseil, c'est regarder, euh, acheter peu. Pourquoi Parce que euh, ça n'a pas trop d'intérêt, très franchement, euh, d'aller euh, acheter sur, sur, sur cet endroit, de, 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 sur ce marché. Il est énorme, hein mais encore une fois, énormément de faux. Euh, en tout cas, si vous restez aux, aux abords du marché, mais vous le verrez, il est très, très grand. Et puis, bien sûr, bah, vous, pouvez faire, euh, vous pouvez faire un séjour. Euh, euh, de, de quatre jours, trois nuits, on vous emmènera à découvrir cette fameuse baie d'Alongue, euh, qui est assez mythique. Hein. Alors, euh, la baie d'Alongue, euh, avec cette slide, on a l'impression qu'il fait toujours beau. C'est compliqué de la, de la voir beau parce qu'il y a souvent de la brume hein, quand même sur la baie d'Along, je préfère vous le dire. Mais vous irez voir aussi les villes impériales. On peut passer les, les slides suivantes. Euh, Hanoï et la baie d'Alongue. Ensuite, euh, vous le voyez, toutes ces villes impériales qu'on qu va découvrir. Euh, avec la ville de Hue qui est, qui est, qui est sensationnelle. Ça, c'est l'extension de 7 jours, euh, si vous souhaitez la faire, qui vous sera proposée aussi. Et on arrive donc 7 jours, euh, là, voilà, au Yann aussi, très coloré au Yann. Et on arrive à la fin de, de, de notre voyage. Euh, ne nous trompons pas, hein, c'est un voyage euh, fabuleux euh, qui, va être, euh, qui va vous être proposé. Euh, je crois que ce qui, ce qui fait la force de ce voyage c'est à la fois du culturel, à la fois de la nature et à la fois de l'humain. Vous avez les trois qui sont réunis, les trois conditions qui sont réunies, euh, un confort absolu avec les deux bateaux qui sont proposés et en particulier effectivement le 5 ans, une nourriture sensationnelle euh, Donc franchement tout est réuni pour faire un, un très beau voyage et encore une fois un, un, un voyage d'exception. Au même titre, un peu que, que ceux qui m'ont écouté sur l'Afrique australe. Je crois que les temples d'Angkor, c'est à faire sincèrement une fois dans sa vie. Et ce voyage, finalement, sur le Mekong, vous avez assez peu de monde hein, qui, qui, qui le réalise. Il y a très peu de bateaux, très peu de bateaux de touristes. Donc, vous êtes en dehors euh, des, sentiers, des sentiers battus. Et ça, c'est particulièrement agréable. Voilà, je vais laisser la parole à, à Lucas qui, qui, qui va continuer et qui va certainement conclure. Je vous remercie. Je vous remercie et je souhaite franchement que vous puissiez faire ce voyage avec, avec Voyage Rive Gauche. Merci à vous et à très bientôt. On peut l'applaudir bien fort, effectivement, Eric, tu as été extraordinaire. Merci pour ton talent. Merci de nous avoir fait découvrir ce superbe fleuve qui est le Mekong. Je vous l'ai dit, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez revoir la conférence en replay sans aucun problème. Nous avons présenté donc le Mekong, la dernière partie entre le Vietnam et le Cambodge. Bateau 5 ancres, petit bateau à taille humaine, 62 passagers, pour les membres Voyage Rive Gauche, des cabines de 18 mètres carrés, bref, de quoi se faire plaisir. Alors chers membres, qu'est-ce que vous avez préféré, vous Le Vietnam ou le Cambodge N'hésitez pas à répondre sur le chat. En attendant, puisque j'ai une question qui me vient sur le chat beaucoup en ce moment, c'est bah, combien ça coûte d'avoir l'opportunité de rejoindre Eric sur son bateau pour les 40 ans de voyage rive gauche Alors, Pour les 40 ans de voyage rive gauche, Sprit spécial rive gauche. Taxi à domicile qui vient vous chercher, les vols, le circuit croisière, la pension complète, les boissons incluses à bord. C'est un voyage spécial 40 ans, il n'y en aura pas deux parce qu'on n'a pas deux fois 40 ans, vous le savez très bien, nous avons deux dates qui se réservent déjà très rapidement, à savoir le 9 novembre. Et le 28 janvier 2024, voilà. Donc le 9 novembre, c'est 2023 et non pas 2000. On va le corriger tout de suite en live, hein, parce que tout ça c'est du live. Donc voilà, c'est bien sûr le 9 novembre 2023 et le 28 novembre 2024. Je vous ai mis également les chambres individuelles, parce qu'il y en a qui, qui m'en parlent, cabine individuelle. Donc c'est 1715 euros et c'est encore possible. Il reste encore des places. Ce que je vous demande, c'est prenez l'assurance tranquillité pour partir de manière Tranquille, oubliez le souci des cas des, 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 des bagages, oubliez le souci de, vos, de santé, prenez l'assurance tranquillité. Même si vous avez la carte bleue, nous avons une assurance spéciale voyage, tranquillité. Donc prenez-la. Voilà. Et donc partez. 13 jours, 12 nuits, faites-vous plaisir. C'est un voyage d'une vie. Le Mekong. Ça marche en ce moment, les gens en raffolent. On est effectivement sur ce bateau à taille humaine, je le répète, entre le Cambodge et le Vietnam, à voir des villes comme Siem Reap, Minh, Phnom Penh, le temple d'encore classé UNESCO. Et donc, pour vous, chers membres, du coup, aujourd'hui, 3499 euros, chers amis. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, regardez-moi ça. Les surprises. Alors, les surprises, il y en a une qui n'est pas des moindres, chers amis. Écoutez bien, écoutez bien, nous avons pour vous aujourd'hui une remise spéciale et ce valable jusqu'au 20 avril seulement, chers amis. Nous avons une remise du coup qui se fera sur la remise de... 500 euros par personne. 500 euros par personne, ça fait 1000 euros x 2, 1000 euros x 2, euros x 2 chers amis. 1000 euros pour découvrir ce superbe, effectivement, euh, ce, superbe, euh, ce superbe itinéraire. Je le rappelle, on est trois villes historiques, mythiques Ho Chi Minh, Penh. On est sur un, une croisière inoubliable sur un canal Chao Goa. Voilà. Donc, avec ce code Mekong2023, vous allez pouvoir réserver auprès directement de Pamela, qui est actuellement sur le chat, qui nous a fait un superbe travail. Vous pouvez réserver en l'appelant au 01 57 77 deux fois. Voilà, on va mettre le numéro en grand de Pamela. Et donc, vous avez la remise de 500 euros. Mais ce n'est pas fini, chers amis. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Passons tout de suite au jeu. Chers amis. Dans quelques instants, vous allez avoir donc ici un numéro à rajouter sur votre téléphone portable. Donc, allez chercher, Martine Hébert, 07 49 20 75 45, votre téléphone portable. Et donc, répondez-moi à la question suivante, facile. On l'a dit en début de conférence, combien de pays traversent donc le Mekong Est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 5 ou est-ce que c'est 6 Combien de pays traverse le Mekong. Et on va faire des petites modifications. Voilà combien de pays traverse le Mekong. Et donc, dans quelques instants, nous aurons la chance d'avoir l'opportunité d'avoir un ou une gagnante. Alors, réponse A, est-ce que c'est 4 Réponse B, est-ce que c'est 5 Réponse C, est-ce que c'est 6 On aura une bouteille de crément. Tiens, voilà, pour changer un peu. Bouteille de crémant à gagner, chers amis, pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer tout de suite par SMS au 07 49 20 75 45 la réponse à la question. Donc, combien de pays traversent le Mekong Et donc, dans quelques instants... On aura un ou une gagnante. Vous pouvez mettre votre nom, prénom, mail et surtout réponse A, B ou C. A. On me dit effectivement... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Effectivement, les équipes me disent... Pourquoi ne pas laisser un peu plus de temps pour laisser les gens jouer Donc ce que je vous propose effectivement, c'est de donner la réponse directement sur Facebook. Tiens voilà, pour changer, on annoncera du coup le gagnant sur Facebook et donc vous aurez la chance de découvrir le gagnant sur Facebook et j'espère qu'il nous fera une superbe photo avec un bon petit verre de crément et cette belle bouteille. Donc voilà, chers amis, donc la conférence prend fin. C'est toujours le plus difficile de remettre ce petit avion, on revient d'Asie, on revient du Mekong, on revient, on se pose à nouveau à Paris. Mais si vous souhaitez réaliser ce rêve, c'est aujourd'hui possible. Là, vous pouvez contacter mes équipes 0146 57 77 deux fois. Vous demandez Pamela, demandez Pamela justement pour participer et donc pour participer à ce voyage spécial 40 ans. Je le redis encore, vous avez une remise de 500 euros par personne. 500 euros par personne pour toute réservation avant le 20 avril. Donc vous pouvez encore euh, réserver justement votre voyage. Je le répète, on vient vous chercher en taxi. On vous met dans les vols, hein, comme on a vu. Le circuit croisière, la pension complète, les boissons incluses. Tout ça, c'est un voyage spécial 40 ans. Et la, la, la bonne nouvelle, c'est que je vous ai mis juste en dessous un petit lien où vous pouvez faire des devis gratuits. Donc comme son nom l'indique, faites des devis gratuits. Comme son nom l'indique, c'est gratuit. Et donc, vous pouvez choisir votre date, si c'est la date du 9 novembre ou du 28 janvier. N'hésitez pas à me dire qui est intéressé sur le chat par ces deux dates et pour nous rejoindre justement à ce voyage qui est encore une fois le voyage d'une vie. Je vous laisse contacter mes équipes 01 46 57 77 2 fois ou aller à l'agence d'Anguin ou l'une de nos agences. Pamela répondra à toutes vos questions ainsi que toutes nos équipes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis à la semaine prochaine pour partir chers amis. Cette fois on partira. Où est-ce que je vous emmène semaine prochaine Ah tiens, si on se fait l'Antarctique tiens. L'Antarctique, un hein, voyage d'une vie aussi. Allez, jeudi prochain 10h Antarctique. En attendant, excellente journée. Ciao ciao.